Aujourd'hui, nous allons parler du portrait de Marie Marcos, que vous connaissez sans doute mieux sous le nom de Madame de Senon. Cette jolie lyonnaise, mystérieuse, divorcée, à qui l'on prête à tort ou à raison un tempérament sulfureux, rencontre à Rome son second mari, Alexandre de la Motte Barrassée, vicomte de Senon. Ce collectionneur averti, féru d'antiquités, commande à Jean-Auguste Dominique Ingres le portrait de sa fiancée en 1814. Et oui, Ingres, peintre français, élève de David, prix de Rome, se trouve alors en Italie. Après une série d'esquisses qui montrent ses hésitations pour la pose du modèle, il opte pour un portrait de trois quarts en genoux. La future Madame de Senon est assise sur un lit couvert de satin doré. Elle est parée de ses plus beaux atours, bagues, colifichets, diadèmes, boucles d'oreilles et porte une robe de velours rouge rehaussée de soie grise, de voile et de dentelle. Le rendu de ces matières est extraordinaire. On croirait toucher ces différents tissus tant Ingres les peint avec précision. Mais l'intérêt de ce portrait vient d'ailleurs. Tout d'abord de la présence du miroir, sorte d'aplat noir à l'arrière du modèle qui renvoie un reflet étrangement placé et dans lequel l'espace du tableau s'abîme. Et puis du corps de la jeune femme, ou plutôt de la liberté que le peintre prend avec ses proportions. Le bras droit est anormalement long. C'est cet affranchissement de la tradition académique qui fait d'Ingres un peintre vénéré par Picasso, Matisse, et de ce portrait l'un des tableaux préférés d'Aragon. Quant à Madame de Senon, sa beauté raphaélienne a troublé Ingres, qui signe ce portrait sur un billet doux glissé dans le cadre du miroir.